Steve. Il faut du cran pour abandonner ses études. Les hautes études se font au dépend de l'expérience. Rose ! Tu bosses sur quoi ? Un terminal d'ordinateur que j'ai relié à un poste de télévision pour l'affichage. Steve ? Waouh ! C'est de la technologie de pointe. Personne fait des trucs pareils. Bienvenue chez Apple Computer. Toute la société est là. C'est une start-up. On devrait commencer avec 90 000 dollars. Vous pouvez répéter ça? Enfin, si vous voulez de moi. La société Apple entre en bourse ce matin. Nous devons rendre ces petites choses inoubliables. La typo, c'est pas un problème urgent. Tire-toi. Il essaye d'entrer en guerre contre IBM. Il a toujours fait l'impossible, même depuis un garage. J'essaye de développer Apple, et ils veulent me l'enlever. Si tu continues dans cette voie, je ne pourrai plus te protéger. C'est une escroquerie flagrante. Je vais vous poursuivre pour chaque cent volée. C'est toi qui es ton pire ennemi. Le conseil est unanime. Steve ne sera plus impliqué dans cette société. 10 ans après le départ de Steve Jobs, l'avenir d'Apple Computer est en péril. Dans la vie, on n'a pas toujours la chance de faire beaucoup de choses bien. On va rendre Apple de nouveau cool. Aux rebelles. Aux fous. Aux marginaux. Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Faut peut-être commencer par lui donner un nom à cette boîte. Apple. Ouais, ça sonne mieux que ordinateur à séquence de phases.